Et voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de E-Teachers. Et je vais pas me tromper, Jeff, en disant que c'est le numéro 22. Eh ben non, c'est 23. Et ben j'ai toujours un numéro de retard. Bon, je l'ai fait exprès. Ah, Pour la d'accord. coutume, salut à tous et bienvenue donc dans le numéro 23. On est très Bonsoir à content tous. de vous revoir pour une nouvelle émission. Voilà, il s'est passé un petit peu plus de 15 jours entre notre dernier épisode et celui-ci. Non, tu racontes des bêtises encore, hein, c'est il y a 15 jours pile. T'es sûr de toi? Ah ouais, il y a les vacances au milieu, ouais. Non, Bon, bah, je vais plus rien dire, je crois, je vais me taire. Bon, bah, tant mieux. En non, c'est tout cas, numéro 23, 15 jours pile. Non. ce soir, une émission avec un invité. Hein. On continue à garder notre rythme avec un échange, une émission entre guillemets classique, puis une émission avec un invité. Et ce soir, dans le plaisir de recevoir Jérôme qui va se présenter dans un petit moment, donc on ne va pas en dire plus pour l'instant. Jeff, si on veut la coutume, des retours sur les émissions Sur les émissions précédentes, des précédentes, ouais. choses qu'il fallait préciser. Alors, première chose, bah, toujours si vous voulez réagir en direct, c'est sur eteachers.fr/live. Vous avez le petit chat qui est en bas. Hein. On le regarde de temps en temps si vous avez de quoi réagir sur l'invité ou autre. Sinon, des petits retours sur l'émission précédente. Donc, on a eu deux petits commentaires un de Nathalie Porte qui nous a dit que ce numéro était très intéressant, qu'il était de mieux en mieux. Que le trio, puisque c'est la première fois qu'on recevait Sébastien et qui allait revenir plusieurs fois dans l'année, hein, que le trio était dynamique, agréable à écouter. Donc voilà, bravo et merci pour votre travail. Un commentaire très sympathique en tout cas. Merci beaucoup, on aime bien. Voilà, quelqu'un qui nous avait commenté plusieurs fois, qui est Papa à quoi tu joues, Ah qui oui. nous avait dit qu'il avait inscrit dans son collège, justement, on avait parlé des Google for Education. Là. Et qu'il avait inscrit son collège à ça et qu'il était prêt à venir en parler, en tout cas, de l'expérience qu'il en a fait. Et ben, on lui a dit why not, hein? Alors, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, avec plaisir, parce que personnellement, j'ai commencé à le tester et ça sera bien qu'on. Ouais, tu coupes un peu, toi, non? Pardon? Ah, je t'ai pas entendu là. Vas-y. Et tu m'entends là maintenant? Ouais, c'est bon. Oui, je disais que j'avais aussi commencé à le tester et que je serais ravi d'en parler avec lui. Voilà, je relance un petit peu mon petit concours là qui n'a pas trop marché. Si vous êtes, si vous voulez gagner une application qui s'appelle Telegami Edu, un petit commentaire sur iTunes sera tiré au sort la fois prochaine. Voilà, donc Telegami.edu. Super. Voilà, et ben le C'est sommaire parti. aujourd'hui, c'est notre invité qu'on va laisser se présenter. Jérôme, bonsoir. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Et, bah, je vois que oui, vous recevez souvent des collègues de FLE, puisque Sébastien travaille à New York, c'est ça. Tout à fait. Et oui, j'ai vu qu'il s'occupe de son excellent blog Les Arts du FLE, c'est ça. Oui. Je crois que Ouais, tu as participé à une émission de ça. et puis bon, c'est très très bon travail, mais comme le vôtre d'ailleurs, ça c'est pareil, il y a une bonne revue d'actualité, un bon support technique, un bon rythme, voilà, ça me fait penser un peu. Mais c'est là, vous êtes deux, c'est pas pareil. Lui, il est tout seul à New York. Donc tu vois, on va le faire venir, on le fait venir de temps en temps, donc Voilà, Sébastien est devenu le troisième homme de E-Teachers. Il intervient plus en appui, mais il est présent. Alors après, les auditeurs vont croire que c'est une mafia, ce réseau social. un petit Effectivement, on peu. s'en est mis. Mais si on se connaissait pas tous avant comme ça, quand même, hein, on s'est rencontrés dans des événements. Mais si vous êtes tout seul dans votre coin et que vous avez envie de partager et que vous nous connaissez pas, n'hésitez pas non plus. On vous donnera la parole avec plaisir, hein, clairement. Exactement. Bon, Jérôme, parle-nous un peu de toi, parce que justement, je crois que tu vis en Italie et que tu enseignes à des adultes. Voilà, donc moi je suis professeur de FLE, donc français langue étrangère en Italie à Milan où je travaille à l'Institut français. Et quand donc j'ai fait une partie de mes études en Italie, j'ai fait Erasmus, donc j'ai un parcours centré sur ce pays. Et puis après, j'ai été volontaire international, les statuts très courts, 1 an, 2 ans, financés par les affaires étrangères, où j'étais professeur d'histoire dans une section internationale dans le système éducatif italien. Et puis après, je suis allé travailler à Milan, où voilà, je me suis spécialisé dans les TIS.
Et j'ai croisé Guillaume à Cyberlang. Et d'ailleurs, Cyberlang a été une de mes premières expériences d'échange avec les collègues. Les collègues, bah, c'était très quand on avait quand, je trouvais par exemple quand on avait commencé Cyberlang, moi il y a quelques années, c'était très éducation nationale. Et cette année, par exemple à Rennes, c'était très ouvert, c'était très international. Et il me semble que ça a donné de bons résultats. Dans l'ensemble, je sais pas ce que Guillaume en pense de Cyberlang Rennes. M'a plu moi Oui, personnellement. on est très content on est très content de cette édition et voilà, c'est, je crois que l'ouverture est le mot même et il y avait beaucoup de participants qui ont eu la Ah. même pensée que toi, donc on en est ravis, voilà. Et donc du coup, on s'est rencontrés là-bas et bah vas-y, continue parce que Donc voilà, moi j'ai donc les TIS, c'est vrai que pour un professeur de FLE, la priorité c'est de faire entrer la langue française dans la classe, hein. C'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner à Milan en 2004, il y avait un tableau et c'est tout. Donc on avait parfois TV5, parfois pas. Enfin, donc je me centrais pas là-dessus. Et moi, je me suis immédiatement spécialisé sur les niveaux avancés, sur les niveaux C1, C2, niveau de conversation, niveau de conversation, niveau histoire, actualité, société. Et j'avais besoin de ressources audio et vidéo. Et en 2004, eh bien, c'était pas simple du tout, hein. La cassette, non. Enfin, moi, j'ai jamais aimé un VHS, tout ça. Enfin, vraiment, je voulais pas trop en entendre parler. Il y avait pas tellement de méthodes, sinon elles étaient figées, c'était pas toujours très intéressant, et c'était vite vieillot, vite dépassé. Donc, moi, je me suis lancé sur les podcasts. Non pas, je suis pas devenu un podcasteur, mais je me suis spécialisé sur la recherche et la didactisation de podcasts. Et j'ai introduit pardon des podcasts audio et vidéo avec mon ordinateur que je posais au milieu de la classe. Et voilà. Et c'était un vieil ordinateur Toshiba et les élèves avaient quand même la possibilité, peut-être pas pour la première fois, parce qu'à Milan il y avait encore France 2 à un moment, après ça avait disparu. Après, il y a eu France 24, mais des années après, donc la présence audiovisuelle française était extrêmement limitée à Milan. Il y avait pratiquement rien. Donc, entre 2004 et 2010, c'était avant d'avoir un TBI connecté en classe, c'était les podcasts. Donc, les podcasts, j'ai beaucoup utilisé ben, France Culture, France Info, France Inter. Nous en avions parlé, Guillaume, cet été, les podcasts vidéo qui ont disparu. iTélé, notamment, faisait des podcasts vidéo super et LCI également, mais maintenant c'est fini. Donc moi j'utilisais un journal télévisé que je didactisais, hein, 8 minutes, questions ouvertes, questions fermées, parfois sur des Google formulaires d'ailleurs. Et ça permettait vraiment de faire entrer la langue française à rythme soutenu et rythme de niveau C1 pour les préparer au mieux au DALF, hein, au diplôme approfondi de langue française qui est un diplôme difficile, hein, c'est quand même difficile à obtenir. Et voilà, les podcasts ont été mes premières émotions numériques. Voilà Et pour. dans Pour quel... un, Attends, juste deux petites choses là. Il y a des trucs techniques pour les non-enseignants de langue là. Il y a eu plusieurs termes là. Tu m'as dit de. Vas-y, le DALF, c'est quoi ce diplôme alors? C'est le niveau C1, C1, C2. C'est le diplôme approfondi de langue française. Ce sont les deux niveaux supérieurs du cadre européen commun de référence. C'est-à-dire Oui, qu'il y bon. a à présent, il y a 6 niveaux. D'accord. Donc A1, A2 sont les premiers niveaux, B1, B2 les niveaux intermédiaires et C1, C2 les niveaux avancés. D'accord. Voilà. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui déjà tu continues à utiliser les podcasts, par exemple? Oui, je continue, pardon, à utiliser des podcasts parce que parfois notre connexion peut être défaillante. Donc, je didactise directement sur le podcast. Je sais que de 2 minutes à 6, j'ai mon morceau et je travaille là-dessus. Et à titre personnel, c'est sûr que maintenant j'en écoute beaucoup moins puisque j'ai aussi bien au travail qu'ici, chez moi, j'ai l'accès en permanence à Internet. Donc, Internet.
Ouais, j'utilise moins de podcasts. Ok. Et est-ce que tes étudiants, par rapport à ces nouvelles technologies, depuis que on parle de plus en plus de voilà d'utilisation personnelle, d'utilisation nomade, est-ce que tes étudiants arrivent à se saisir de ces outils pour par eux-mêmes aller écouter des nouveaux contenus, télécharger des nouveaux contenus, que ce soit sur leur ordinateur, sur leur smartphone, sur leur, éventuellement leur tablette? Est-ce que tu vois quelque chose qui évolue par rapport à cela? Je dirais que y a eu peut-être plus d'engouement au début que j'en ai parlé. Je me rappelle en 2009, 2007, 2009. J'ai les dates en tête parce que j'ai fait un master 2 justement à distance, hein, avec l'Université du Mans, et j'avais préparé un mémoire sur les podcasts, et j'avais donc fait des entretiens avec les élèves sur ce sujet, et certains se l'étaient approprié, oui, mais ça reste marginal, ça restait marginal, et ceux qui se l'étaient approprié, je peux pas le démontrer trop scientifiquement, mais les progrès étaient bien entendu incroyables. Enfin, la compréhension orale passait d'un niveau moyen à un niveau avancé, et puis certains, je me rappelle, qui avaient des urgences. Par exemple, certains devaient absolument obtenir le niveau C1 pour s'inscrire à une université française. Eh bien, je leur disais, bah voilà, un podcast par jour pendant 4 mois et ça devrait passer. Et ils l'ont fait et ils ont réussi, hein, alors qu'au départ, c'était absolument inconcevable. Et c'est vrai que le podcast a été peut-être une transition vers écouter plus. Et le fait de s'approprier l'objet et d'être nomade, oui. Dans le métro, pendant que tu cours. Hein. Ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose sur le podcast, la Moi, balado-diffusion. j'y crois vraiment à ça. Ouais. C'est marrant ton expression de dire un podcast pendant 4 mois par jour, parce que j'utilise les mêmes, ça fait très médecin, ça fait très prescription, mais en fait, c'est exactement ça et c'est ce que je dis à mes élèves. Et une fois, j'avais une élève qui m'avait dit, voilà, en arrivant en classe, que voilà, elle avait réécouté le document audio que je leur avais laissé à disposition entre un morceau de Rihanna et un morceau de Eminem, et peu importe, mais elle avait tout compris, quoi. Voilà, ça veut pas dire y passer tout ça, tout le temps, des heures et des heures, mais arriver à jongler, et voilà, et par contre, le faire régulièrement, et clairement, on est plus exposé à la langue et on progresse plus, quoi. Donc voilà, Exactement. j'abonde par rapport à ça, quoi. Jeff, t'avais une question, non? Non, vas-y, 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 c'est bon. Voilà, bon. Donc c'est vrai que ça, bon, on commence à connaître maintenant. En classe, toi Jérôme, est-ce que tu utilises vraiment des choses, des outils qui te permettent d'améliorer, de changer ta pratique, si oui lesquels, ou alors pas du tout? Est-ce que ça reste des utilisations hors classe pour des Hors mises à classe, disposition? oui. Moi, j'anime un blog qui est pédagogique, hein, enfin qui s'adresse avant tout à mes apprenants, parce qu'en FLE on parle d'apprenants, comme dirait Sébastien aussi d'ailleurs. Et parce que je voulais un prolongement de la classe dans le numérique. Donc mon blog, il filtre un peu l'actualité française, mais bon, il y a une chanson française. Par exemple, le dernier article, c'était tout simplement la chanson de Dutronc, Paris s'éveille. Voilà, c'est tout. Du moment que mes élèves se rendent sur le blog, choisissent des lectures, écoutent un document vidéo, trouvent une transcription d'un document complexe que j'ai faite, voilà, c'était l'objectif après la classe. De même, j'avais créé Passe ton DALF, justement, un site Google qui centralise un peu toute la méthodologie et les liens pour se préparer au DALF en autonomie et en semi-autonomie par rapport à mon cours. Donc, c'est le prolongement de mon cours, mais aussi c'est un site qui est très très fréquenté. Enfin, sur Google Analytics, je vois qu'il y a des connexions vraiment constantes et régulières du monde entier sur ce site. Et c'était plus l'idée de, ouais, comme tu disais, c'était après la classe. C'était après la classe. En classe, ce sont les ressources numériques, dans la mesure du possible, à haute dose. Vidéo, audio, et puis, bien entendu, l'accès quotidien et pratiquement à la seconde à la presse française. Ce qui, moi, j'utilise Google Actualité, et ça n'a pas de prix pour un professeur de FLE. Enfin, il y a toujours la possibilité de trouver des ressources incroyables. Et en plus, je tenais à préciser que par rapport à cette recherche de ressources, il faut dire qu'en FLE, là, ces dernières années, on est vraiment gâtés.
Parce que il y a toute une génération de blogueurs vraiment vraiment formidables. Donc il y a les arts du fleu de Sébastien qui est vraiment vraiment bien, et il y a T'enseignes-tu, Oui, de Céline. les experts qui sont à Varsovie. Enfin voilà, ce sont des blogs qui ont complètement révolutionné la scène à mon humble avis, parce que moi ça fait 10 ans que je n'ai dessus. Que 10 ans, hein, c'est pas non plus beaucoup, mais en 2002, 2002, 2014, 2002, 2004 et aujourd'hui. Et il me semble que voilà, ces jeunes blogueurs proposent des activités didactiques, des réflexions, ont la volonté de collaborer, d'être collaboratif. C'est un terme vraiment auquel je crois beaucoup, la collaboration entre pairs. Et il se passe quelque chose, il me semble, sur les échanges. Et c'est vrai que de même sur Twitter, il suffit d'aller sur Twitter et on trouve des dizaines et des dizaines de ressources, de documents prêts à l'emploi, de ressources didactisées, peut-être trop d'ailleurs, hein. Est-ce que tu ne crois pas que c'est lié cet engouement enfin, dans le FLE, et moi je trouve ça super bien, mais je sais qu'en anglais, par exemple, il y a à la fois énormément de choses et à la fois moins comment dire, de soutien ou de travail collaboratif. C'est lié hein, finalement pas à la rareté de la discipline, je n'oserais pas dire ça, mais parce que la communauté de FLE étant plus restreinte, en fait, il y a peut-être plus d'entraide, quoi, tout simplement. Oui, mais pourtant, tu sais que, enfin, vous savez que les profs de FLE, il y en a quand même plusieurs centaines de milliers dans le monde, hein. Ouais, FLE d'accord. de français, hein. Donc un prof de français du système éducatif polonais, c'est aussi un prof de FLE potentiellement. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Nous sommes FLE parce qu'on est des Français Oui. de l'étranger, donc on est des natifs, voilà, donc on enseigne en français, on enseigne notre langue, mais il y a quand même la Fédération internationale des professeurs de français parle de 800 000 profs de français dans le monde, Non, hein. mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. ouais, et pourtant c'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a quand même une primauté des Français qui parlent peut-être sur le web. Peut-être là aussi, c'est une question à laquelle il faudrait réfléchir. Sachant moi, par Alors, exemple, les experts de Varsovie, il y a une jeune Polonaise aussi. j'aimerais bien revenir sur la lecture. Est-ce que tu as l'occasion de travailler la lecture en langue étrangère, pour le coup en français, avec tes élèves? Si oui, comment le fais-tu? Est-ce que tu utilises les nouvelles technologies dans ce cadre-là ou pas du tout, au contraire? Parce que je comprendrai après pourquoi je pose cette question. A priori, j'utilise pas les nouvelles technologies techniquement. J'utilise une nouvelle technologie pour me procurer des lectures, des ressources. Ouais. Voilà, Donc, où juste veux-tu en comme un venir, rappel. Guillaume? Plus comme un accès aux sources. D'accord, ok. Non, parce que voilà, j'ai eu la chance d'assister il n'y a pas très longtemps à une conférence par Monsieur Serge Tisseron, qui est un psychiatre très connu, enfin reconnu en tout cas, qui a beaucoup travaillé, enfin qui a travaillé dans plein de domaines, dont le numérique et les jeux vidéo. Et bon, il est venu faire une présentation lors d'un congrès d'enseignants de langue. Et il a parlé justement pas mal en fait de cette espèce de fracture qui existe entre plutôt les enseignants qui restent sur la lecture old school, j'ai envie de dire, avec voilà, on a le livre et puis qui ont peur de l'arrivée des contenus numériques et voilà, en fait, entre guillemets, comme si les deux ne pouvaient pas cohabiter. Et moi, je crois pas et il était d'accord avec ça, enfin c'est plutôt moi qui suis d'accord avec lui pour le coup. Lui, sa thèse était plutôt de dire que voilà, c'est pas l'un ou l'autre en fait, encore une fois, et c'est souvent ce qui revient dans les technologies, c'est pas une technologie en chasse une autre. Une nouvelle avancée peut cohabiter avec des anciens outils, et voilà. Et il avait cette thèse qui était intéressante de dire que finalement le livre papier tel qu'on le connaît était plutôt tourné vers quelque chose de personnel, de lecture personnelle qui peut être très agréable. Et puis bon, ça arrive aussi avec les liseuses maintenant, bien évidemment. Mais qu'en général, le travail sur Internet, la lecture sur Internet, liait de multiples compétences, comme d'ailleurs la lecture, pour après collaborer, écrire ensemble, échanger ensemble, bloguer, je vais utiliser ce terme-là, et on en revient un peu à ce qu'on disait avec cette énorme profusion de blogueurs. Alors après, on peut s'en servir pour nous en tant que prof pour se ressourcer, mais aussi pour que nos élèves eux-mêmes écrivent, lisent et tout ça, quoi. Et du coup, quand j'entends ce discours de dire mais nos enfants aujourd'hui ne savent plus écrire, ne savent plus lire, qui est pour moi un discours, je vais utiliser un mot correct, mais complètement réfractaire,
Je suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, ils lisent presque plus. Alors oui, ils lisent plus les mêmes choses, mais ils lisent plus et ils sont encore plus soumis à la langue. Alors quelle langue, ça c'est une autre question. À nous enseignants de faire en sorte qu'ils les voient différents niveaux de langue, mais en tout cas, ils sont soumis à la langue peut-être plus qu'avant. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Bah moi, je me rappelle au début, j'en ai parlé ce matin en cours de conversation. Tiens, lecture numérique. Enfin, pas la lecture numérique, le numérique en général. Et c'est vrai que je me rappelle que quand je me suis formé en FLE, donc c'était plutôt dans la fin des années 90 et début des années 2000, donc Internet n'avait pas totalement, il n'y avait pas encore un boom total d'Internet, eh bien on parlait de la fin de la lecture, hein. La fin de l'écrit et la fin de la lecture, parce que c'était une civilisation de l'image, que tout était dans l'image et que les jeunes lisaient plus, qu'ils écrivaient plus, c'est vrai qu'on n'écrivait pas de lettres. Et par contre, Internet, effectivement, à mon avis, et les mails et les SMS ont relancé l'écrit. Je suis d'accord. Ouais, je trouve ça. Vas-y, pardon, Jeff. Là, vous parlez beaucoup de ressources depuis les débuts. Moi, la question que j'avais de poser à Jérôme, c'est est-ce que aussi les élèves produisent des choses avec toi, créent des choses aussi, on n'a pas Très peu. très peu. Malheureusement, très peu. Oui, là, voilà, tu as mis le doigt sur ma frontière. C'est-à-dire que souvent, j'ai des élèves pendant 40 heures. Donc des adultes qui arrivent à 19h30 le soir, aux 18h, qui sont morts, qui ont une journée de travail, qui travaillent donc Milan, c'est une ville active. Bon, c'est un peu facile ce que je suis en train de dire pour me défendre, mais donc ils sont à fond, voilà, ils viennent pas toujours, et ils sont dans un système, ils ont connu un système éducatif qui est très frontal, très très, mais vraiment très frontal, basé sur le par cœur. Beaucoup, en grande partie. Peut-être me faire lyncher par les collègues italiens, mais bon, c'est pas grave. Et c'est difficile de mettre en place de la production des élèves. Ouais, j'ai pas là-dessus. En plus, je n'ai pas, ce n'est pas un public captif. Je n'évalue pas. Je n'ai pratiquement aucune manette pour parvenir à éventuellement obligé, dans une certaine mesure, dire voilà, l'évaluation portera sur des travaux collaboratifs. Non, je peux pas. Non, malheureusement, j'aimerais bien. Je sens bien que c'est ma frontière, hein. J'y réfléchis, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Pour avoir un petit peu un pied aussi dans la formation pour adultes, mais pas la formation aux enseignants, vraiment pour donner des cours à des adultes régulièrement, je partage complètement ton point de vue. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le même enseignement quand on enseigne à des gens qui ont déjà une journée de boulot dans les pattes, qui font ça en plus sur leur temps libre, imposé ou Exactement. pas, que quand tu es gamin qui finalement, dont c'est le travail, entre guillemets, dont c'est l'activité principale d'être à l'école et d'apprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire des choses potentiellement intéressantes avec des adultes, bien au contraire. Moi, une fois, j'avais mené un séminaire d'une semaine avec des personnes qui devaient apprendre l'anglais sur une semaine, enfin apprendre une sorte d'immersion pendant une semaine. Et là, quand ils avaient toute leur journée dédiée à ça, en termes de production, on avait pu faire des choses comme on peut faire avec des collégiens, sauf adaptées à des adultes et qui, du coup, avaient des rendus très sympas. Mais D'accord. effectivement, enseigner avec des adultes en fin d'après-midi, après leur journée de travail et compagnie, il faut vraiment être, ça demande encore presque encore plus de pédagogie, je trouve, parce que ce qu'on doit leur proposer doit faire mouche tout de suite et c'est franchement pas évident, quoi. Ouais, exactement. Donc bon, ouais, c'est vraiment, c'est une bonne question. Si aujourd'hui tu devais, comment dire, vraiment choisir un outil TIS, ou en tout cas, ouais, on va parler d'outils, un outil qui révolutionne d'une certaine manière ta pratique, ou est-ce qu'il y en a un clairement qui a fait que tu pourrais plus t'en passer? Moi, par rapport à la collaboration entre pairs, au fait d'avoir collaboré avec des collègues du monde entier, c'est Google Drive. D'accord. C'est clair que c'est un outil, donc bien entendu, l'Institut français de Milan était le centre culturel français de Milan, donc orienté culture, donc il y a de gros efforts qui sont faits sur le réseau pour mettre en valeur les initiatives TIS du réseau, mais on part de très loin dans tout ce qui est simplement éducation, puisque la priorité, c'est la culture. Mais il y a une telle énergie dans le réseau que ça commence à remonter, ça commence à se voir, il y a des interconnexions qui se créent
entre les profs actifs du monde entier, hein, de tous les instituts français. Et le fait d'avoir mutualisé avec Google Drive entre collègues, d'avoir simplement rédigé des articles, organisé un MOOC aussi, Bien sûr. premier MOOC de FLE travaillé en français. Enfin, c'est pas moi qui l'ai baptisé comme ça, mais il a été qualifié premier MOOC de FLE puisque c'était des élèves, des apprenants du monde entier qui venaient apprendre le français, enfin, comment travailler en français à partir d'un niveau intermédiaire, B1, B1, en cours d'acquisition. Tout a été organisé sur les outils Google. Donc, tout ça pour dire que sans ces outils qui m'ont été mis à disposition par un grand groupe qui fait des choses innommables, qui trafique les cookies et compagnie, qui monopolise le web et qui sait très bien en vivre, et excessif, etc. Mais c'est le seul outil. Ce sont les seuls outils qui m'ont vraiment permis de découvrir une autre dimension, la collaboration entre pairs, voilà. Et j'ai eu quelques retombées sur mes apprenants, hein, j'ai partagé quelques documents avec mes apprenants, mais ça reste tellement marginal que c'est pas significatif. Par contre, entre collègues, là, c'est vraiment extraordinaire. Sans les outils Google, je vois pas ce que j'aurais pu faire ces dernières années. D'accord. Bah Ouais, écoute, nous on carrément. partage aussi cette vision. Alors, sans parler forcément des outils Google, parce que après il existe d'autres plateformes qui font les mêmes choses, hein, mais le principe maintenant, effectivement, de partager comme ça, d'avoir ces espèces de boîtes partagées par tous dans le nuage, je crois que voilà, l'utilisation du nuage a Ah oui. révolutionné la pratique collaborative. Ah oui. Voilà, enfin, Jeff nous en parle régulièrement. C'est vrai qu'en technologie, il travaille énormément là-dedans et je crois pas me tromper en disant que c'est un outil Dropbox indispensable pour toi, aussi, non? Tout à fait, quoi. c'est Oui, pour voilà. Dropbox. Non, c'est vraiment une dimension incroyable. Sinon, bien entendu, il y aurait aussi le TBI, hein, comme outil D'accord. qui a révolutionné parce que voilà, on se retrouve avec un énorme écran vidéo derrière, et puis une énorme facilité sur les méthodes, des enchaînements réussis, un rythme. L'interaction, oui, toujours celui. Bon, je pense que voilà, mon vidéoprojecteur est aussi très bien, mais le TBI a révolutionné aussi, je pense, nos cours. Hein. Ouais. D'accord. TBI podcast, ouais. Outil Google, TBI podcast, je pense, comme ça, à brûle pour point. D'accord, effectivement. Jeff, quelque chose à dire, à ajouter? On a peut-être fait le tour de la question. De la question. Je pense. C'était très bien. On continue notre. Enfin, on va pas tarder à terminer, donc on va continuer. Tu avais des petites choses à nous montrer, Jeff, à nous dire? Toi, tu avais peut-être quelque chose, non? Tu m'as dit un petit outil, tu avais? J'avais un petit outil qui, voilà, Allez, qui vas-y, on a. pour les historiens, et pas que d'ailleurs, et puis Jérôme, en tant qu'ancien historien, ou même, enfin, ancien Oui. praticien, mais tu Ouais, restes un exactement. historien, voilà, c'est tout simplement pour réaliser des frises chronologiques à utiliser, en fait, directement en ligne. C'est un outil en ligne. Moi, j'en ai eu besoin en tant que prof de langue, mes élèves travaillaient sur l'Afrique du Sud, peu importe, et on parle encore de collaboration. Ils devaient réaliser chacun une sorte de page qui allait finir dans un magazine numérique qu'on avait présenté, avec un outil dont je vous parlerai une autre fois. Et une équipe travaillait sur la réalisation de dates clés dans l'histoire de l'Afrique du Sud, et il fallait réaliser une frise. Et je me suis dit, il doit quand même bien y avoir des outils qui font ça, et pas louper, il en existe plusieurs. Moi, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle frisechrono.fr, donc sur le site frisechrono.fr, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, tu vois, je l'ai utilisé celui-là, tu vois. Tu l'as utilisé, qu'est-ce Ah que tu en bon, penses? il fait bien son job. Très simple d'utilisation, bien. Voilà, exactement. Voilà. Vous Ouais. voyez, la frise. Bon, bien sûr, tout est paramétrable, hein. Là, je n'ai pas changé les dates par défaut. Vous pouvez tout changer et insérer comme vous le voulez des dates clés à des moments, créer un événement. Voilà. Donc, vous choisissez la date. Par exemple, je vais choisir un événement en 1900.
J'en sais rien, moi, en 69, le premier pas sur la Lune, c'est parti. Allez, Lune, je sais pas pourquoi j'ai écrit n'importe quoi. Vous pouvez choisir de rajouter une image, vous voyez, il faut aller la chercher, bon, d'habitude. On valide. Et voilà, j'ai la date qui apparaît ici. On peut choisir plus ou moins haut parce que quand vous avez énormément d'étiquettes, vous vous doutez que ça peut très vite se monter Ouais, dessus. on peut choisir une plage aussi, hein, pas forcément une date, on peut choisir une Bien plage, la évidemment, bien évidemment, date, une voilà, plage donc. complète. On Non, il est peut plutôt bien fait, ouais. Ouais, le il est mettre. dépouillé, hein, y a pas de fioriture, hein. Encore une fois, ce qui est intéressant dans ces outils, c'est que bah voilà, vous allez sur freescrodo.fr, c'est gratuit, il n'y a pas de Pas connexion, quoi que ce d'inscription, soit, ouais, pas c'est ça qui est bien, d'inscription. ouais. On exporte en PDF, on enregistre pour pouvoir y revenir plus tard. Voilà. J'y ai pensé parce que dans ma veille de vacances, parce qu'en France, nous sommes en vacances cette semaine, j'ai vu quelques collègues qui avaient parlé d'un nouveau site dont on a parlé tout à l'heure, Jérôme, qui s'appelle, je me rappelle, Timeline, si je ne me trompe pas, c'est ça? Timeline, comme ça, ouais. Qui Alors, fait un c'est marrant petit parce peu que la dernière fois que j'y étais allé, donc il y avait toutes sortes. Si je me rappelle plus du nom. Timeline, tout simplement. Oh. Ouais, mais il doit y avoir le nom du domaine. Timeline.nightlab.com. J'y suis dessus. D'accord. Ok. Voilà, Je je peux vous le partager rapidement connais pas si vous celui-là. voulez. Clac, 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 clac. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et voilà, on voit ici le rendu. C'est un petit peu plus élaboré que l'outil qu'on a pu Ouais, voir avant, parce que comme vous voyez, je peux faire la vidéo, la série de vidéos. défiler la timeline. Ça doit être fait en HTML5, ça j'imagine. Ok. Bref, en tout cas, c'est plutôt pas mal fait. C'est un tout petit peu plus compliqué à Java. mettre en place, puisqu'il faut effectivement créer une fiche d'abord sur Google Doc encore. Il est Où on tout va en anglais, pouvoir. non, aussi, non? Non? Pardon. Il est en anglais là, mais je crois qu'il doit y avoir peut-être une version française. Mais bon, vous D'accord. pourrez aller voir pour ceux qui sont intéressés par ça. Il en existe beaucoup des outils de frise chronologique. Oui, Donc, on oui. vous a parlé de frisechrono.fr qui est Non, développé par des Français. moi, je trouve que le freesechrono.fr, l'intérêt, c'est que tu te connectes et tout de suite y es, quoi. Sans connexion, Voilà. sans. C'est vraiment bien, pour ça. Ça marche très très vite. Ça Ouais. marche très très vite comme ça. Voilà. Pour le petit outil de la soirée. On termine par un petit pour parler d'autre chose. Eh ben, je sais pas si Jérôme, tu as quelque chose qui te dans cette rubrique, non? Non, mais j'aime bien. Moi, Tu as pas quelque chose, une petite vidéo que tu as vue, un bouquin que tu as lu dernièrement, je sais pas. J'ai lu plein de super bouquins dernièrement. J'ai lu un auteur japonais qui s'appelle Akira Yoshimura. Vas-y, Qui dis-nous, est allez. vraiment exceptionnel. Donc je vous ferai en jouant. Et donc il a écrit plusieurs. C'est un auteur contemporain du XXe siècle, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et j'ai lu également un livre vraiment bien de Philippe Meyer, un Américain, qui a écrit Le Fils. Le Fils de Philippe Meyer, qui est une saga incroyable d'une famille sur plusieurs générations au Texas, où il y a des Comanches, des Espagnols et des Américains. Et c'est un livre absolument formidable dans l'aventure et dans l'histoire et dans ouais, le caractère des personnages. Ouais, c'est un livre qui m'a marqué. Je l'ai lu en numérique et c'est ce que je disais ce matin à mes élèves, c'est qu'ils sont plutôt réfractaires aux liseuses. Je leur disais, moi j'ai lu des chefs-d'œuvre, des livres très bien dans numérique et ben, c'est pareil qu'en papier. Tout à fait, les liseuses, oui. Ouais. Ouais, Eh bien, très c'est un bien. chef-d'œuvre, quel que soit le support. Et c'est une belle phrase, oui, parce que Au tout à fond. fait, encore une fois, c'est pas la forme que ça prend, le compte, la manière dont on le propose, ça reste quand même l'essence même de ce qui est proposé qui compte, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Voilà. Et puis Bon, un bonjour vas-y. à mes collègues qui de l'institut, donc Christelle qui nous écoute, j'en suis sûr, Yann et Antoine, les collègues avec qui on travaille beaucoup. Et puis voilà, puis à tous ceux, toute la communauté FLE du monde entier. Alors, si on veut justement te contacter personnellement, comment on fait? Sur mon blog chez Jérôme,
Il y a un formulaire de contact. Ouais, donne-nous l'adresse. Alors, ton blog, c'est? Tu tapes chez Jérôme. D'accord, Bon, ça, sur notre moteur de recherche préféré. Ok. voilà, n'importe lequel, vous tombez dessus chez Jérôme, Institut Français Milan. Ok. Et Top. ouais, chez Jérôme, c'était un premier nom que j'avais trouvé quand j'avais testé des blogs et c'est resté. Alors, je viens de le faire et en premier, vous avez un bed and breakfast qui apparaît à 9h, a priori. Sur l'île de Pâques, même, dis donc. Exactement. Je crois que c'est à New York, mais sur Exactement, ça l'île. fait des années qu'on est. Alors moi, sur le mien en Italie, je tombe pro direct. Ouais, c'est Si, ça, et moi ouais. aussi, Jérôme. Si, c'est tout le temps pour mieux. Ouais, overblog.com. C'est C'est ça, Overblog, c'est c'est ça. sur Overblog. Vous pouvez même vous abonner au flux RSS, le suivre sur Twitter, bien sûr. Ouais, ça a l'air super riche et intéressant. Et du coup, ben, ma foi, Merci, il va oui, bah falloir aller écoute. voir ça, non? Moi, je suis très content d'animer ce blog parce que ça m'a permis aussi de connaître, rencontrer des collègues qui bloguent en Espagne. Alors, par exemple, les professeurs de français du système éducatif espagnol sont très forts, très forts. Ils publient plein de choses. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont vraiment qui animent des outils de veille. Comme tout à l'heure, on parlait des Scoopit. Oui, Scoopit est une Scoopit, petite oui. révolution. Je sais pas ce que vous en pensez, Alors, vas-y, chers explique-nous collègues. Scoopit, justement. Bah, publier des Scoopit et le mettre à disposition de quiconque, ça fait un sacré outil de veille. Hein. Il y en a beaucoup en FLE, TIS et FLE, FLE et je sais plus, mais j'en ai tellement sous la main que c'est vrai que ça permet d'avoir accès à des contenus filtrés par des collègues qui le font sans doute pour eux et qui le mettent à disposition des collègues et voilà, ça crée des dynamiques, hein, je pense. Hein, je pense que ça crée des dynamiques. Ouais, donc C'est un c'est une veille partagée en fait, hein, tout à fait. C'est une Voilà, veille c'est un partagée. super Ouais. outil de veille comme il en existe De d'autres. plusieurs, mais effectivement, nous avec Jeff, on avait créé un flipboard Un flipboard, qui est un peu dans le même esprit. Ouais. qu'on alimente peu parce qu'en Je fait, connais on a pas. tout bien pris. Bon, c'est un petit peu le même principe, hein, voilà, après, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Oui, Donc, bien c'est sûr. aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, offline, c'est, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de ressources, de plus en plus, il faut aussi savoir trier Trier. parmi tout ça, quoi. Voilà, Et c'est plus au contraire. Scoopit, c'est français, hein, c'est de Toulouse, mais il n'y a pas de version française. Hein. Ah, ben, tu vois, tu nous l'apprends. Enfin, moi, je Ouais, sais je pas. Mais bon. crois vérifier. Hein. Il me semble que je l'avais lu quelque part et je suis français pratiquement sûr, de Toulouse aussi, et qu'il n'y ait pas de version française, c'est garanti. D'accord. Un peu dommage. Enfin, c'est bizarre. Bon, voilà, c'est un peu Effectivement. regrettable. En tout cas, s'il y Bon, en a bah. ceux qui sont intéressés par notre flipboard, elle est en lien sur le itteachers.fr. Ah, elle est en lien aussi, Voilà. d'accord. Voilà. Tu pourrais. Voilà, en tout cas, Merci à toi d'être intervenu. merci Bah, beaucoup. merci Ouais. à vous. Bonne continuation, hein. Longue vie à eTeacher. Merci, c'est gentil. Je pense qu'un jour on fera une émission avec peut-être, pourquoi pas, avec plus de monde ou des intervenants pour finir une année. Ça pourrait être sympa. Donc Ça peut-être pourrait être qu'on te sympa. resollicitera. Hein. Bah, très bien, très bien. Et puis le bonjour à Sébastien, puisque vous le voyez Oui. Oh bah en vrai. quand Quand il il est est là, il là, passe. de New York. Et on parlait quand même d'outils de révolution. Je veux dire, le support que nous sommes en train d'utiliser pour faire ce que l'on fait. Ça reste quand même une belle révolution de pouvoir parler avec toi en Italie, en direct, comme ça. Enfin, ça reste quand même. Moi, ça me bluffe toujours et je suis très content de le faire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, même si voilà, il faut on peut le faire, mais maintenant il faut trouver les occasions de le faire et avoir des choses à dire et à échanger, et les occasions sont pour l'instant encore rares. Je pense que dans 10 ou 20 ans tout cela va se multiplier, mais voilà, je sens générationnellement on est un petit peu au milieu, on n'est pas des pionniers, mais c'est un peu prétentieux, mais ouais, on teste, on réfléchit, on tâtonne. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, bonne Bon, soirée à tous. voilà, en tout cas, merci, merci à vous. un petit rappel, en tout cas, si vous voulez nous contacter, c'est itichance.fr, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, puis à dans 15 jours. Alors, ouais, pas ça pour terminer l'émission. Mon cher Jeff, tu m'as Oui. mis une belle baffe en début d'émission en me disant que c'était il y a pile poil 15 jours que nous nous Ouais. étions vus. Je Et me suis c'était bien trompé? il y a 3 semaines, comme je le disais, à Non, c'est pas savoir. possible.
Le 8 octobre, si, Oh si, merde! si, 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 si. Ah, je cher comprends mon auditeur, tâche. vous Non, je comprends mon verrez tâche. lequel de nous deux tient la baraque dans cette émission, si vous n'aviez encore pas Merde. compris. Très bien, je plaisante bien sûr. Ce Merci sera à coupé, tous. ça. Non. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci. Ciao, ciao. Merci, Jérôme.